Eh, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps quand même, hein, qu'on s'était pas vu comme ça, vous et moi, face à face, face to face, comme on dit dans le jargon. Bonjour à tous, ici le MJ Masqué, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo de la rentrée. J'ai besoin de faire une vidéo avec vous, un point de ce qui va se passer sur cette chaîne. On va parler de l'avenir et il y en a des choses à dire. Ah bah c'est pas trop tôt parce qu'on commence à se faire chier sur cette chaîne. T'es encore là, toi? Je pensais que je m'étais débarrassé de toi. Ah bah mon gars, tu peux toujours courir, c'est pas demain la veille qu'un abruti masqué va réussir à me séparer de mon business. Dans cette vidéo, on va aborder principalement 4 points. Premièrement, il y a des petites nouveautés qui vont arriver sur la chaîne et sur tout le contenu étendu du MJ Masqué. Et ensuite, on va aussi aborder toutes les nouveautés qui vont arriver courant septembre, novembre, décembre et peut-être même un petit peu janvier. Pour commencer, vous êtes nombreux à m'avoir contacté et à me dire qu'il fallait un Discord. Eh bien, un de mes abonnés, un fidèle abonné du nom de Immertos et Dédal de Jeu, ils sont deux, hein, ils sont un peu travaillés ensemble, ont collaboré pour créer un Discord. Mesdames et messieurs, c'est officiel, vous pouvez applaudir, oui c'est vrai, merci. Nous avons un Discord. Et dès maintenant, je vous invite à venir nous rejoindre. Et vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je peux vous dire que sur ce Discord, principalement, il y aura des concours. Et des concours qui vont améliorer, ou du moins qui vont contribuer à la chaîne. Et le premier concours du Discord qui arrivera prochainement jusqu'à fin septembre est le concours de PNJ. Le concours de PNJ, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est sûrement la question que tu te poses, mon ami. Eh bien, c'est très simple, le concours de PNJ, c'est tout simplement un événement réalisé sur le Discord pour vous permettre à vous de faire participer votre PNJ au sein de Zombie Adventure avec Rickett. Dans l'actuel play Zombie Adventure, Rickett s'est crashé d'un avion et il arrive au milieu de la Floride. C'est pas top. Et il va être confronté, ou du moins il va rencontrer un protagoniste, un personnage féminin, fort. Et vous allez pouvoir mettre votre PNJ dans cette actuelle play. C'est très simple, le but c'est de créer un personnage, il y aura une petite checklist à respecter, mais vous aurez tous les détails sur Discord. Le concours n'est pas actif à l'heure où je vous parle, mais ça va arriver très prochainement, courant septembre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, voilà. Et puis accessoirement aussi, il y aura le choix des questions du Choice and Roll. Alors le Choice and Roll, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le format combiné là. On pose deux questions, il faut choisir. Je vais interviewer toutes les personnes qui sont à l'octogone. Cécile, Lucien Mène, tout le Roller Die, tout le monde. S'il y a même Nicolas Sarkozy, je vais l'interviewer. Alors si je peux me permettre, Nicolas Sarkozy, c'est pas du tout un rôliste. Donc il y a très peu de chances que je trouve l'octogone. C'est pas un rôliste? C'est vrai. Tu marques un point, T2F. Heureusement que t'es de retour, toi. Pour me faire chier, ouais. Enfin bref, vous avez plein d'informations décousues sur le Discord, mais je tiens tout de même à remercier Immertos et Dédale de Jeu encore une fois. Et puis, vous aurez de toute manière les infos qui vont tomber au compte-goutte sur ce Discord. Et puis, on va essayer de créer un petit cœur de communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez les news, tout ce qui tombe, tout, si j'ai besoin de solliciter des gens, vous aurez tout sur Discord. Donc, venez nous y rejoindre, c'est important. Deuxième point, le Tipeee. Alors, vous ne vous rendez pas compte à quel point le moindre euro investi dans cette chaîne est, mais vraiment, nécessaire. Pour information, quand je fais une vidéo, quand je fais un actual play dans une boutique ou autre, je fais une location de caméra qui me coûte 125 euros. Ça, c'est juste la location de caméra et je prends même pas en compte tout l'investissement personnel que j'ai mis à l'intérieur de cette chaîne. Que ce soit en micro, que ce soit en décor, que ce soit en jeu, que ce soit en costume, que ce soit en tout ce qui peut, en lumière. Voilà. Alors moi, c'est ma passion et j'ai pas de souci avec ça. Donc c'est vraiment un plaisir de le faire. Mais j'ai une volonté de faire à toujours, toujours améliorer le contenu visuellement, au niveau du son, graphiquement et que vous ayez du contenu intéressant et divertissant. Mais d'un autre côté, je peux totalement comprendre que à l'heure actuelle, le Tipeee n'est pas forcément ultra valorisant et ne propose pas de retour en investissement symboliquement sympathique. Dans quelques mois, je vais totalement faire une refonte du Tipeee. C'est-à-dire que les récompenses seront sûrement similaires, mais les récompenses seront tout autres. Aujourd'hui, c'est rien du tout. On a juste voilà, un remerciement gracieux. Hein. On a la fameuse formule « ami proche » dans Instagram, mais je vous dis tout de suite, ça ne vaut pas. Enfin voilà, il y a très peu de contenu, donc c'est pas quelque chose qui est vraiment attrayant. Voici le type de retour sur investissement que vous pourrez avoir avec le Tipeee. Premièrement, il y aura des making-of. Il y aura des backstage uniques, exclusifs, pour les tipeurs. La deuxième chose, c'est que tous les scénarios Who Survive, donc Who Survive, c'est le format où je tue des invités
pour votre plus grand plaisir, eh bien, ce format, je vais produire des PDF, des scénarios. Donc, par exemple, Who Survive Tale of Equestria, je vais vous faire le PDF de l'aventure, avec quel stat j'ai mis au méchant, comment ça fonctionne, parce que même si je cut les jets de dés, même si je condense vachement le contenu, il faut que vous gardez en tête que c'est un vrai jeu de rôle que je leur fais. Donc il y a vraiment toute l'étendue, j'ai écrit le scénar, il y a un minimum de préparation. Et ce format-là, je vous le proposerai sous forme de PDF. Alors attention, je vous vois venir. On ne sera pas sur quelque chose d'extraordinaire, on ne sera pas à l'abri peut-être de quelques coquilles d'orthographe ou voilà, ou de choses qui ne sont pas forcément ultra compréhensibles, mais je vais faire au mieux, je vais essayer de vous pondre des PDF de qualité. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui me soutiennent déjà sur Tipeee, je vous remercie encore une fois. Pour toutes les personnes qui ont contribué, même ne serait-ce qu'un mois ou deux, vous avez œuvré à l'amélioration de cette chaîne. Et puis pour ceux qui comptent contribuer prochainement, vous aurez toutes ces nouveautés qui arriveront courant octobre-novembre. Les nouveautés, mesdames et messieurs, c'est le point le plus attrayant et le plus intéressant, c'est tout ce qui va arriver sur la chaîne bientôt. Alors la première chose que vous allez savoir, c'est que là, j'ai été invité à l'Arcana. Donc au moment où je vous parle, j'y serai sûrement. Donc déjà, si vous regardez cette vidéo pendant qu'elle est sortie, donc c'est-à-dire quelques jours après, n'hésitez pas à me jeter sur Instagram, ça vous permettra de voir des lives et surtout des stories en direct de la convention jeux de rôle suisse. Je serai avec Studio 4T2, donc ça va être super sympa. Je serai aussi à l'Octogone, où je vais faire un autre Inside. Donc ça va être d'un format de vidéo qui sera similaire à ce que j'ai fait l'année dernière. Et il y aura aussi, une nouvelle fois, une chaussée de rôle avec beaucoup plus de monde. Parce que mes connaissances dans l'univers rollistique, c'est vraiment agrandi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, on aura beaucoup de monde. Donc pareil, sur le Discord, si vous voulez trouver des dilemmes à poser à toutes les personnes que je pourrais interviewer, n'hésitez pas à les mettre, je m'en servirai. Alors, je me permets, parce qu'il y en a qui ont la mémoire courte, hein, mais tu n'es pas allé à l'Octogone, c'est moi qui ai fait tous les interviews, voilà. Oui, c'est vrai. Tu marques un point de Zef, c'est toi qui étais allé à l'Octogone, je m'excuse. Voilà, donc tu es de retour, donc tu vas pouvoir y retourner. Super. Génial. Pour ce qui est des formats, vous allez voir un actuel PS City of Mist qui devrait sortir avant fin septembre. Il arrive sur la chaîne, ça sera en deux épisodes, il y en aura un qui sortira en novembre et l'autre qui sortira en octobre. Je fais un tournage sur les vacances de la Toussaint, de Zombie Adventure et de Who Survive 3. Il y aura normalement 4 Who Survive et un Who Survive final, vous avez vu mon accent anglais qui est toujours légendaire. Donc une fois que tous ces tournages seront réalisés, vous les verrez arriver au compte-gouttes sur la période novembre-décembre, ça débordera peut-être jusqu'en janvier. Pour ceux qui n'ont pas vu Zombie Adventure, c'est l'actuel play où je suis accompagné avec Riquette. Voilà, c'est du Z-Corp, c'est de l'aventure zombie. Et puis on est vraiment sur un univers totalement décalé. Vous allez kiffer. Espèce de drift, genre. Avec une main, genre. Il lève son frein à main. Il part. Ensuite, il y a deux choses. Deux choses qui vont revenir sur la chaîne. Les conseils critiques, il y aura une vidéo avant 2023. Ça, c'est sûr et certain. J'ai une vidéo qui s'appelle Les 8 tips. Donc j'ai 8 conseils de jeu sympathiques, des aides, vraiment des trucs simples à mettre en place qui peuvent vraiment améliorer vos parties, qui devraient arriver avant décembre 2023. La deuxième chose, c'est Crossfake. Fin de votre périple, vous voyez devant vous une énorme cavité, une grotte aux parois noires. Crossfake, c'est le format cinéma, court-métrage, jeu de rôle qui est sur la chaîne, qui est disponible, il y a deux épisodes aujourd'hui, eh bien, le format va revenir avec un rythme plus régulier. Riquette et moi, enfin, moi, du moins, j'ai écrit un peu la suite, Riquette est disponible, donc on va tourner ça bientôt, et c'est, entre guillemets, un peu aussi la backstory d'EMG Masqué. Donc, voilà, ce format, si vous a plu, il va être de retour très prochainement. Alors, si je récapitule, on a de l'actualité qui va arriver avec Arcana et l'Octogone. On a ensuite de l'actual play avec City of Mist, Who Survive numéro 3, et en plus de ça, Zombie Adventure qui sera de retour avec Riquette. Et pour ce qui est des anciens formats qui vont faire leur retour, on aura Crossfake qui va reprendre avant la fin de l'année. Et on a aussi, mesdames et messieurs, une vidéo, Devenir MJ qui va refaire son apparition sur la chaîne. Et là, je vais me consacrer sur un petit format qui devrait arriver sous forme de short. Donc le short, c'est des formats de 1 minute. Ça devrait être disponible sur Instagram et sur YouTube. Je vais en faire tellement que ça sera sûrement pas les mêmes sur Instagram et pas les mêmes sur YouTube. On va essayer de diversifier. Il y aura sûrement un épisode compile peut-être que je verrai, indépendamment du temps que j'ai pour le montage, d'un format Donjons et Dragons. Oui, vous avez bien entendu, il y aura du Donjons et Dragons sur cette chaîne. C'est un format que j'ai préparé. Je vous en dis pas plus, mais le concept, c'est un concept que j'ai vu sur une chaîne américaine qui avait énormément de potentiel et sur lequel je pense qu'on peut énormément développer et j'ai vraiment envie de le faire en français. Donc ça s'appelle D&D Fast and Furious. Je vous en dis pas plus, mais sachez juste que ça va être des scénars extrêmement rapides. Waouh !
Ah ben dis donc, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Hein. Mais sinon, habituellement, les formats que vous avez l'habitude et vous, qui vous appréciez dans votre chaîne, les JDR Story. Hein. Il y en a deux qui vont arriver. Il y a la suite d'Alien qui est prête, qui attend plus qu'une chose, c'est de sortir. Et puis, bien entendu, il y aura un JDR Story sur One Ring, mesdames et messieurs. Et oui, parce que je fais énormément de One Ring ces derniers temps, avec le kit d'initiation qui est là-bas derrière. Je vais peut-être me téléporter pour vous le chercher. Si vous êtes impressionné par la téléportation, mettez un like à cette vidéo, ça ne coûte rien. Donc, il y aura sûrement un JDR Story sur One Ring. Avant ou après Alien, on verra, indépendamment de mon envie et de ma motivation. Et donc voilà, et donc en fait, là, en fait, pour faire court, il va y avoir beaucoup de vidéos. Cette chaîne va reprendre du poids de la bête et on va continuer sur notre lancée. Et j'espère continuer à vous proposer du contenu qui vous plaît, d'autant plus que ces derniers mois, on a eu beaucoup de nouveaux abonnés. Je vous souhaite tous la bienvenue. Et puis, voilà, on va essayer de continuer de faire de notre passion, le jeu de rôle, un domaine divertissant et plaisant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est fou, hein. Ça m'engage sur la corde, c'est fou, bordel. Voilà, c'était l'AMG masqué. J'espère que toutes ces annonces sont encore plus sympatoches que les annonces de Wizards of the Coast. Parce que voilà, je trouve que la chaîne du MJ masqué est quand même nettement supérieure à tout ça. Bon, allez, maintenant, c'est bon, ferme-la et conclue cette vidéo, bordel de merde. J'étais presque content qu'il soit revenu. Hein. Bon, allez. Salut.